je sais pas, quelqu'un veut dire, tiens. Aujourd'hui, le groupe de l'atelier cinéma du lycée professionnel du Finosel travaille à l'élaboration d'un scénario. Kevin, un doit faire découvrir le lieu aux autres ou à un autre. Un exercice qui s'inscrit dans le cadre du projet international Cinéma 100 ans de jeunesse initié par la Cinémathèque française. Leurs films ont été présentés à des professionnels, une opportunité pour ces jeunes. Découvrira le lieu. C'est encore plus génial quand tu es là devant le travail que toi-même tu as effectué sur un grand écran et que tout le monde le regarde et qu'après on te pose des questions pour savoir comment tu as fait et tout. C'est une fierté en gros. Cet atelier m'a apporté, on va dire, de la confiance. M'a apporté aussi de savoir ce que je veux faire, on va dire, l'univers. J'ai découvert l'univers qui m'intéressait le plus et savoir aussi ce qui me plaît le moins. Ils ont entre 15 et 18 ans, pour la plupart déscolarisés avec un projet professionnel différent. Tous sont des élèves du DIPS, le dispositif de persévérance scolaire. On est sur de l'individualisation, on est sur de la construction de projets professionnels et on est sur des projets collectifs. Un dispositif qui s'inscrit dans le projet académique qui s'articule autour de 4 axes. Une école au service de l'élève et de son projet, valorisante et inclusive, plus proche de son territoire mais aussi plurilingue et citoyenne. Des thématiques développées ce matin au Palais des Congrès d'Ajaccio. Lors de cette présentation, les élus ont regretté le manque de concertation avec la collectivité territoriale de Corse pour l'élaboration de ce programme 2017-2022.